Merci de me donner l'opportunité de vous faire cette présentation. Alors, le lien ne va pas être évident avec moi, au vu de ces... Il y a eu des témoignages incroyables. Hein. Alors, moi, je vais vous parler d'un truc assez technique, technologique, qui n'est pas encore disponible en routine, hein, l'imagerie TEP, dans cette indication, mais ça va le devenir dans les années qui viennent. Et puis, je pense que ça va aider. Ça va aider les gens. Voilà. Alors, dans les traceurs en imagerie TEP, la plupart de ces traceurs, il y en a 4 qui sont disponibles, pas commercialisés, mais disponibles. Ils ont tous été développés pour l'Alzheimer, en fait. Hein. L'indication initiale, ce n'était pas l'amylose cardiaque, c'était vraiment l'Alzheimer. Et parmi ces traceurs, il y en a d'ailleurs 2 qui ont maintenant l'AMM. L'AMM en France, mais une AMM très contrôlée, avec une limite de quelques milliers d'examens, pas plus, par an, dans les cas de figure où les bilans biologiques, les bilans au niveau du LCR ne sont pas contributifs ou impossibles. Et c'est sur ce type de traceurs qu'on a le plus d'expérience. Ils sont dérivés en fait de la thioflavine, un colorant d'anapath. Ça a été développé il y a une dizaine d'années, hein, déjà. Et ce sont des structures très lipophiles qui arrivent à se mettre dans la structure bêta-plissée de l'amylose. Alors, ce qui a changé depuis 2 ans, c'est que maintenant, il y a une toute nouvelle famille d'imagerie avec l'évusamitide, toujours difficile à prononcer, et qui a des propriétés complètement différentes, puisqu'en fait, c'est un peptide qui a juste la particularité d'avoir beaucoup de charges positives, un cation avec beaucoup de charges positives. Et en fait, il va se capter sur des zones un peu particulières des dépôts amyloïdes, hein, des glycosaminoglycanes, qui se trouvent en fait dans les zones où les fibres d'amylose s'ancrent sur les tissus environnants. Et ces zones-là ont la particularité, bien sûr, d'avoir plein de charges négatives. Voilà. Donc ces peptides vont être captés, enfin vont faire des liaisons électrostatiques avec ces régions. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la différence des anciens traceurs, toute l'affinité pour les dépôts amyloïdes, quelle qu'en soit l'origine, AL, ATTR ou autre, est identique avec ce type de traceur. Alors il y en a 3, 4, si je compte bien, qui sont commercialisés. Alors le carbone 11 pip, c'est le premier développé. Carbone 11, c'est 20 minutes de période. Donc ça veut dire qu'au bout de 20 minutes, il n'y a plus que 50% de la radioactivité. Donc il faut aller très vite pour faire l'examen, faire les images, voilà. Et il faut avoir un cyclotron dans le service, ce qui n'est pas possible. Donc c'est bien pour la recherche, mais ce n'est pas possible en routine clinique. Par contre, il y a 3 traceurs, vous voyez là-haut, fluorbétapyr, fluorbétabène, flutéméthamol, qui sont marqués par le fluor 18, comme le FDG, en fait, hein, pareil, qui ont des périodes plus longues, hein, presque 2 heures. Donc ça peut être distribué à partir d'un cyclotron sur des zones qui se trouvent à 4 à 5 heures de route. Donc c'est possible de l'utiliser. Ce sont d'ailleurs ces traceurs-là, certains de ces traceurs-là, qui ont l'AMM pour la maladie d'Alzheimer, le fluorbétabène et le flutéméthamol. Et il y a des demandes pour ces 2 traceurs, enfin, il y a des projets d'extension d'indication, notamment pour l'amylose AL, mais ça, je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Et puis, il y a l'évusamitide. Alors lui, pour l'instant, c'est un peu plus compliqué parce que sa période est de 4,2 jours, donc il est quand même plus irradiant parce qu'on fait l'examen, on fait les images 4 à 5 heures après. Puis le patient est quand même irradié chez lui quand il retourne pendant 4 à 5 jours. Mais il y a la possibilité, comme c'est de l'iode radioactif, l'iode 124, c'est un émetteur de positons, on peut switcher avec de l'iode 123, bien qu'il n'y ait pas encore beaucoup de données à ce sujet-là. Et l'iode 123, on peut le faire en scintigraphie, comme une scintigraphie osseuse, en fait, hein, avec une période beaucoup plus courte, 13 heures, qui est tout à fait raisonnable. Donc c'est pour ça aussi que cette toute nouvelle famille de traceurs soulève beaucoup, beaucoup d'espoir. Alors si je vous parle des anciens, et je vais vous montrer les images, donc ce sont des traceurs très lipophiles, hein, comme la thioflavine d'ailleurs, hein, et vous voyez ici des images des gens sains. Voilà. Alors comme pour tout traceur lipophile, malheureusement, des lipides, il y en a plein l'organisme, ce qui fait qu'il y a beaucoup de fixations spécifiques. Vous pouvez regarder. D'abord, il y a une élimination hépato-biliaire et puis rénale qui fait que
le foie et les reins ne sont pas analysables en fait, avec ce type de traceur. Et puis, il y a des régions lipophiles un petit peu partout. Alors, je ne sais pas si vous voyez autour du cœur, sur les coupes tomographiques, là, il y a souvent de la graisse autour du cœur, la graisse épicardique. Ben, il y a une petite fixation quand même du traceur, hein, tout simplement parce qu'il est lipophile et qu'il y a de la graisse. Donc, il y a ces fixations non spécifiques. Et puis, il y a toute la moelle osseuse. Hein, toute la moelle osseuse, bien sûr, c'est plein de lipides. Donc, ça capte aussi ce type de traceur. Alors, c'est les points contre. Mais le positif, c'est que ça marche quand même. Voilà, c'est que ça marche. Et quand on compare ces témoins sains à des patients, vous avez à gauche un patient avec une amylose AL, à droite un patient avec une amylose ATTR, et vous voyez qu'on voit très bien la captation cardiaque, elle est quand même beaucoup plus importante au niveau des, au niveau de ces deux patients. Et puis on voit même, alors j'ai pas de pointeur, ou si, il y a peut-être, là, comme ça, ouais. On voit même des captations dans d'autres tissus, il y a la rate ici. Le muscle, en fait, le muscle squelettique capte beaucoup, alors aussi bien pour les ATTR que pour certains patients à L, ce type de traceur. Et on voit ça très peu chez les patients témoins. Alors l'étude, vous avez déjà vu cette figure ce matin, avec le topo sur la médecine interne. L'étude qui a été la plus complète jusqu'à maintenant sur ce type de traceur, c'est sur florbétabène, cette fois-ci, toujours ces traceurs lipophiles, et qui a montré que eh bien, lorsqu'on injecte le produit et qu'on fait des images pendant une heure, la captation elle est intense dans les amyloses à L et elle reste intense pendant pratiquement une heure. Donc ça, c'est la force de ce type de traceur, c'est d'être capable effectivement de donner beaucoup de signal pendant très longtemps, beaucoup plus de signal que la population référence que vous voyez, que la captation sur la population référence que vous voyez ici en gris. Donc ça marche très bien pour les amyloses à L, ça c'est sûr. Ce matin, on vous a dit que dans les amyloses à L, il y avait de temps en temps, il n'y avait pas de rétention tardive. Rétention tardive, c'est de l'IRM, hein, c'est différent. Hein. Ça, c'est de l'imagerie TEP, c'est très sensible pour détecter les amyloses AL. Et par contre, si vous regardez les amyloses ATTR, le profil est très différent parce que ces traceurs ont moins d'affinité en fait, pour ces structures bêta-plissées. Là. Mais il y a une période qui commence, à mon avis, plutôt à la 10e minute jusqu'à la 20-30e minute où il y a une différence quand même significative, alors peut-être pas suffisante pour faire du diagnostic, mais il y a quand même une petite différence avec la population normale. Et à la sortie de cet article-là, les auteurs disaient, si ça se trouve, avec ce type d'examen, on va pouvoir différencier des amyloses AL, des amyloses ATTR et des patients, ici c'était des patients qui avaient une amylose, mais sans atteinte cardiaque, cette population de référence en gris. Alors comment faire pour le diagnostic? Alors, le truc le plus simple, le plus facile et qui plaît bien aux médecins nucléaires, c'est de faire deux examens de médecine nucléaire. Vous faites une scintigraphie osseuse, ici. Vous faites un TEP. Alors, ici, c'était du florbétabène. Et quand il n'y a pas de captation cardiaque nette au florbétabène et quand il n'y a pas de captation cardiaque nette à la scintigraphie osseuse, il n'y a pas d'amylose. Hein. Il n'y a pas d'amylose AL, il n'y a pas d'amylose ATTR. Par contre, dans l'amylose AL, vous aurez une captation très intense, c'est ce qu'on vient de voir sur les résultats du précédent article, sur le florbétabène en TEP, et par contre, vous n'aurez pas de captation cardiaque en scintigraphie osseuse. Et puis, à TTR, il y aura cette captation osseuse qui différencie l'amylose ATTR des amyloses AL et puis des non-amyloses. Et puis, on a souvent quand même une captation plus faible, mais une captation au florbétabène. Donc, si on fait tout ça, eh ben, on arrive quand même à s'en sortir. Alors, ça peut se faire en une demi-journée, en gros. Pour l'instant, c'est très cher. Je vous en reparlerai un petit peu à la fin. Alors, sinon, il y a aussi, on ne se contente pas de regarder puis de mesurer l'activité en SUV en TEP. Hein. Il y a des index de rétention, de captation qu'on peut mesurer, quelquefois des choses assez complexes. Alors, nous, ce qu'on utilise dans l'étude, il y a un PHRC national qui a pris, auquel participe Thibault et moi-même, sur le florbétabène. Et en fait, on s'est rendu compte que, en mesurant simplement le rapport entre la captation myocardique et la captation sanguine, qui donne une idée de l'affinité du tissu pour le traceur qui est présent dans le sang, en fait, hein, et bien on a quelque chose de beaucoup plus stable que ce que je vous ai montré sur la courbe tout à l'heure, où les activités myocardiques descendent très vite, mais les activités sanguines descendent très vite. Et si on regarde le rapport entre les deux, en fait, pendant, on va dire, jusqu'à la 30e minute
suivant l'injection, on arrive à mesurer quelque chose. Alors après, on ne voit plus rien, hein, donc ça n'a même plus la peine d'essayer. Alors, il y a une étude qui est parue, une petite étude qui est parue en 2020 déjà, en utilisant ce type de paramètres avec le PIB, le carbone 11. Et effectivement, les AL avaient ce rapport était plus élevé dans les AL que les ATTR. Il y avait un gradient entre AL et ATTR, puis les témoins, cardiopathie hypertrophique ou des témoins sains. Mais il y avait très peu de patients par groupe. Et autant, ben, on voit que pour les AL, il y a une vraie différence avec les témoins sains ou les cardiopathies hypertrophiques. ATTR, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a quand même toute une zone de chevauchement avec les AL et un petit peu aussi avec les témoins sains. Donc, ce qu'il faut retenir surtout, c'est que ça marche bien pour les AL. Et c'est d'ailleurs les demandes d'extension d'AMM vont être faites ciblées sur les AL pour ces traceurs. Et puis, il y a le fameux evusamitide, qui est le peptide cationique très chargé. Et lui, alors ce qui est intéressant, c'est que AL-ATTR ou n'importe quel type d'amylose, ça marche. Parce qu'il y a ces zones d'hyperpolarité, en fait, avec plein de charges négatives au niveau des dépôts amyloïdes. Et voilà les résultats. Alors, ce ne sont que des patients ayant une amylose cardiaque. Mais vous avez ici, en jaune, les résultats donnés par le florbétapir, hein, qui a lui aussi un analogue de la thioflavine classique, où on voit que bah, chez les AL, la captation est plus importante que chez les ATTR. Et chez les mêmes patients, vous avez la captation de l'evusamitidide. Et vous voyez que la captation est élevée. Elle reste élevée non seulement dans les AL, mais aussi dans les ATTR. Donc c'est un marqueur assez ubiquitaire des dépôts amyloïdes. L'inconvénient, c'est que la captation sanguine avec ce traceur reste relativement élevée, ce qui n'est pas étonnant, parce que dans le sang, il y a plein de molécules qui ont des charges négatives puis qui retiennent un peu le traceur, notamment les protéines, l'albumine. Voilà. Il y a plein de médicaments qui cheminent comme ça dans le sang, en fait. Donc, on injecte le produit, puis il faut attendre 4 heures, voire 5 heures pour faire l'image. Ça, c'est la partie un petit peu plus gênante d'un point de vue pratique. Et comme il y a beaucoup d'activités sanguines, ben, quand on ne regarde plus uniquement l'activité en valeur absolue, mais le rapport par rapport à l'activité sanguine, vous voyez que ça diminue très vite, hein, parce que bien évidemment, l'activité sanguine est élevée, donc le rapport va diminuer. Alors, ce qui est intéressant dans cet article Princeps, et pourtant, il n'y avait pas énormément de patients, mais il y a quand même des documents iconographiques qui vraiment, moi, me font y croire. Parce qu'effectivement, vous voyez, alors, bon, on s'attend à ce qu'il y ait des captations dans l'amylose AL, hein, c'est sûr. Dans l'amylose ATTR, quand il y a un score de Perugini à 3, bah oui, hein, on s'attend à ce qu'il y ait une captation aussi, puisqu'on vient de le voir sur les chiffres. Amylose avec un score de Perugini à 1, alors on ne peut pas parler d'amylose cardiaque avec un score de Perugini à 1, mais ça peut être une forme subintrante, subclinique, enfin de dépôt amyloïde. Hein, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas une amylose cardiaque. Mais on voit, alors il n'y a qu'un cas ici, sur des formes mutées, avec des variants aussi, il y a une captation. Et puis il y a des formes avec, je ne savais pas que ça existait, mais vous en avez parlé ce matin un petit peu, où il y a des mélanges de dépôts ATTR avec certaines lipoprotéines. Voilà. Ben, il montrait aussi un exemple de ce type-là où il y a une captation très intense, pareil, avec ce traceur. Alors, un point intéressant sur ces nouveaux traceurs, potentiellement, c'est que par contre, on voit qu'il n'y a pas de l'élimination, il n'y a pas l'infiltration du foie et du rein comme pour les marqueurs de type thioflavine. Et donc, on peut mesurer, on peut détecter, en tout cas, mesurer, je ne sais pas encore, mais l'amylose hépatique, l'amylose rénale. Vous avez ici, ce n'est pas le rein, c'est la rate ici, un patient. Et avant, traitement par immunothérapie d'une amylose AL. Et ensuite, voilà, l'image. Et ça, je vais juste, avant de finir, passer quelques 2-3 diapos sur d'autres possibilités d'aider, en fait, hein, chez ces patients-là. Pas uniquement le diagnostic, mais la surveillance du traitement. Hein. Visiblement, ça marche bien, mais on n'a pas encore d'études suffisamment costauds pour en être tout à fait sûr. Dans les amyloses AL, c'est vrai pour l'evusamitidide. C'était vrai aussi. Alors là, c'est plutôt pour évaluer non seulement, mais aussi les sites extracardiaques. Oui. Et vous voyez qu'ici, vous avez deux exemples de patients avec amyloses AL.
qui ont tous les deux une captation cardiaque très élevée, à peu près au même niveau, mais vous voyez qu'il y en a un qui a une captation pulmonaire qui est très élevée, une captation au niveau de la rate, des captations au niveau des muscles squelettiques, voilà. Donc on se met à rêver, à se dire, bah, peut-être que ces traceurs vont être capables de mesurer une espèce de charge amyloïde globale de l'organisme. Hein, et effectivement, quand la charge est à ce niveau-là, peut-être que les modalités de traitement ne sont pas exactement les mêmes. Voilà les zones en question. La surveillance de traitement. Alors, ce qu'on montre ici avec les busamitides, ben, on l'avait déjà vu, mais plus sur des observations que sur des études vraiment structurées, avec d'autres traceurs comme le fluorbétapyr, hein, avant traitement. Lorsqu'il y a une chimiothérapie avec une réponse complète, ben, ça disparaît aussi. Ça, c'est... Et puis, il y a le pronostic aussi. Alors, pronostic, on a vu ce matin déjà que, ben, effectivement, quand on a une amylose cardiaque, il y a un moins bon pronostic. C'est sûr. Et ici, amylose AL, lorsque le PET est positif, alors ici, il s'agissait du carbone 11 PIB, bien évidemment, le pronostic est altéré aussi. Et il est altéré de manière indépendante de marqueurs assez classiques du risque chez ces patients, troponine, pro-BNP, les chaînes légères. Voilà. Et donc, pour conclure cet exposé, alors, toute la famille de traceurs plus anciens, mais enfin, ils n'ont quand même que 10 ans, hein, ils ne sont pas si vieux que ça, a identifié l'amylose AL et franchement établi. Donc, il y a des extensions d'indication envisagées. Pour l'instant, le coût, il est assez prohibitif, pour être tout à fait franc, puisque c'est 1200 euros la dose. Alors, ça va diminuer. Pour l'instant, il n'y avait qu'un seul industriel qui le distribuait. Maintenant, il y en aura deux, voire trois. Donc, ça devrait diminuer. Pour l'instant, c'est un vrai souci. Il y a des études supplémentaires nécessaires pour les formes ATTR. On voit bien qu'avec ces traceurs Tiovine-like, ça marche moins bien dans les formes ATTR. Pour tout ce qui est évaluation du pronostic, des traitements, de la charge amyloïde globale, il n'y a pas encore assez d'études pour avoir des idées claires là-dessus. Et puis, il y a cette nouvelle famille qui arrive depuis il y a un an, deux ans, les polymères cationiques, qui sont assez simples. Donc, c'est pas très... Alors, je ne suis pas chimiste, hein. Mais faire des peptides en mettant plein de désines pour avoir des charges positives, franchement, je pense qu'il y aura beaucoup de concurrents. Et puis, être capable de le faire en scintigraphie, ben là, ce serait vraiment super. Mais bon, ça va mettre du temps, tout ça, ça va mettre certainement beaucoup plus de temps que pour les autres traceurs. Voilà, je vous remercie de votre attention.